La quatrième édition du Salon des médias, de la communication et des TIC s'ouvre ce mercredi jusqu'au vendredi 11 octobre. Invité spécial, le Premier ministre du Burkina Faso, représenté par le ministre burkinabé de la communication, arrivé cet après-midi à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Vous connaissez la place des médias et dans la construction de la démocratie dans nos pays. La place des médias, comment je dirais aujourd'hui, vecteur de développement économique. Et nous pensons qu'au regard et de tous ces défis, les médias eux-mêmes doivent être disponibles pour pouvoir porter le développement économique et la construction de la démocratie dans nos pays. Au regard de tout cela, un tel salon est à saluer et à porter. Et je pense que ce qui concerne les médias de la Côte d'Ivoire concerne les médias du Burkina Faso. Et donc pour nous, c'est un très grand plaisir d'être là pour participer à ce salon. La Maison de la Presse d'Abidjan, initiatrice du salon, a choisi comme thème cette année les rapports entre les médias et les entreprises, outils pour booster la croissance. Ce sera donc 3 jours d'échange entre le monde des médias et les opérateurs économiques ivoiriens. Nous avons jugé utile de prendre ce thème pour la quatrième édition et de faire de ce salon-là de l'excellence pour permettre aux opérateurs économiques de ne plus avoir peur des médias et de permettre aux médias aussi de s'approcher des entreprises afin de pouvoir ensemble faire un pari gagnant-gagnant. Pour l'occasion, la Maison de la Presse d'Abidjan a fait peau neuve. Toutefois, certaines activités du salon telles que l'exposition et les forats se tiendront à la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères au plateau.